Yo, salut à tous et bienvenue en compagnie de Ghost of Shadow 40, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je fais une suite sur Assassin's Creed Révélation. Je le fais uniquement en stream parce que je vais faire une vidéo de environ 40-45 minutes. Ça sera court et ça me laisse le temps de faire d'autres vidéos sur d'autres jeux. Voilà. Et puis voilà, donc je vous dis une bonne vidéo, j'espère que cela vous plaira. Et que notre aventure avec Ezio Auditore continue. Allez, c'est parti. Donc je vais essayer de parler tout le long de la vidéo, qu'on s'ennuie pas trop, mais je vais pas savoir quoi. Je sais pas trop ce que je vais dire, mais bon, on va essayer de trouver. Bon, déjà, il faut me rappeler des boutons, déjà aussi, ce serait pas mal. Parce que là, je crois que je suis un petit peu rouillé. Alors la roue. La roue c'est comme ça. Ok, d'accord, très bien. On court comme ça. Alors attendez, je fais les boutons vite fait. Normalement pour s'accrocher, je crois. Si je saute. Donc c'est le rond pour enfoncer pour se tenir. Épée, dague, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Allez, on va faire de la quête. Mission principale. Là, je vais essayer de faire la mission principale le maximum possible. Il faut aller là-bas. Allez, mémoire génétique, c'est parti. C'est bien comme ça pour s'accrocher. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais, glandu, que tu es? Hé, ça se voit que t'es vieux, mon gars, t'es un petit peu de mal, non? Oh, l'enfoiré. Quoi qu'à son âge, si je pouvais faire. Déjà, rien qu'à mon âge que j'ai, je suis même pas capable de faire ce qu'il fait. Alors, je crois que je vais pas trop le critiquer, le type. Hé, oui! Allez, on y va. Ah, c'est l'un de vos assassins a appris des informations importantes sur l'homme qui se fait appeler la Sentinelle. Il est temps de s'occuper de ce traître. Ok. Oh, c'est bon, pas fait exprès. Franchement. Mais sérieux? C'est lui qui nous a trouvés, Mentor. Deux de nos frères ont été enlevés plus tôt aujourd'hui. Et maintenant, Vali exige que nous cédions notre propriété aux Templiers. Non, nous ne négocions pas avec ceux qui marchandent de la vie humaine. Mais ouais, on négocie pas, direct. Et on les traquons, et nous les tuons, parfait. Pour mieux fouiller Galata. Le temps joue contre nous. Ferait n'importe quoi pour qu'on les remarque. Allez, on y va, mon ami. Youhouhou. Ta. Donc après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc pour les streams pour Assassin's Creed, je pense que j'en ferai. Je vais en faire peut-être plusieurs dans la journée là, non, vu. Peut-être pas dans la journée là, mais je vais en faire plusieurs dans la semaine, donc dans la fin de semaine plutôt. Et je les balancerai sur ma chaîne, je pense, peut-être une par jour ou un truc comme ça. Je vais voir comment je vais m'organiser. Ou sinon, je les balance. Je vous balance une vidéo assassin, peut-être tous les mardis, je ne sais pas. Mais moi, je vais essayer de finir le jeu assez vite, le streamer, et je vous balancerai petit à petit les vidéos. Je vais voir. Parce que c'est le mieux qu'on puisse passer après à d'autres jeux que je puisse faire en live à votre compagnie. Donc voilà. Alors, allez où ce cible à la con? D'où est-ce qu'il sort celui-là?
Quelle tenue extravagante. Je fous ma gueule, il fait de la merde. Seul le sang et la mort. Tiens, ferme-la, toi. Tiens, bim, allez, terminé. Wouhou. Bien, mon ami. Est-ce que c'est Vali qui t'a fait ça? Oui. Ouais. Tout ceci est une ruse. Il m'a capturé pour attirer les assassins loin de notre repère. On doit déjà être en chemin. Ok. Enfoiré. Putain d'escroc de merde. Vite, on y va. Go, 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 on y va. Go. Qui croit pouvoir nous semer? Bien sûr. C'est pas que je crois, c'est que je vais vous semer. Bande d'incapables. Les bois de Dieu, je cours encore, hein, vous inquiétez pas. Go, allez, vas-y, pêche-toi. Allez. Fais le fou, fais le fou. Yeah, j'ai fait le fou. J'ai osé faire le fou. Ouh, j'ai osé faire le fou. Allez, monte. Putain, il est le con. On a obligé de sauter pour qu'il s'accroche, quoi. C'est une blague. C'est un immense honneur de vous accueillir chez moi. Tu es un soldat astucieux, Ezio. Non, enfoiré, viens ici, toi. Tu ne sauras pas la ville à toi tout seul. Que tu crois? Non, je suis pas tout seul, j'ai mes hommes avec moi. Mes assassins, n'inquiète pas, hein. Je te suivrai depuis les toits. Viens ici, enfoiré, on va te choper. Viens ici, je t'ai dit, il va me lancer une bombe fumigène qu'on est comme ça. Bam, oh, tu t'es fait avoir, on t'a eu. Tiens, enfoiré, on t'a eu. On t'a eu. Votre credo m'était aussi vital que l'air que je respirais. Mais lorsque les Turcs ont envahi la Valachie et que les assassins n'ont rien fait pour les arrêter, j'ai perdu la foi. Si les croyances d'un homme ne lui servent pas à protéger son peuple, sa terre et sa famille, que pourrait-elle apporter au monde? La paix soit avec toi. Bien, yeah, succès. Ne vous faites pas repérer en cherchant les prisonniers. Ouais, bon, c'est pas grave. S'en fout, ça, j'ai dit. Depuis le début de l'aventure, que je ne faisais pas les synchronisations à 100%. Allez. Claudia. Claudia. Je suis en possession d'une des clés de Masyaf. Mieux encore, j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés. La signification de ces symboles m'est encore inconnue. Mais la chance a mis sur ma route une Vénitienne
qui va m'aider à les déchiffrer. Une vénitienne, attention. Je ne dois pourtant pas crier victoire trop vite. Les Templiers détiennent toujours une clé. Et Dieu et son grand point faible, les femmes. Je vais avoir besoin de toute l'aide que les assassins pourront m'offrir. Si seulement j'avais un allié chez les Ottomans, je pourrais enfin décrypter les mystères de cette ville. Deux objets débloqués, c'est intéressant ça. Bon allez, t'es. Ah ouais, on a fait nuit qu'on est là, la cinématique en plein jour, c'est pas mal ça. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Topkapi, maintenant que le prince Suleyman est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan? Kardeşim. Ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Topkapi. Je voudrais savoir comment. Ezio, nous voulons protéger notre prince. Et non l'interroger. Aie confiance, Youssouf. Et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens. Ah bien. Nous y faufiler. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. Ouais, c'est parti, on va se déguiser en musicien, c'est génial, hein. Ouhou, on va se déguiser en musicien. On va aller faire un concert, les gens. Oh, putain, ils sont pressés. Ma place est en bas avec la populace, ouais. Et madame, tu la veux aussi, ou ça se passe comment, là? Parce que tu peux aussi fermer ta grande bouche. Hein? Non, parce que c'est un problème. Mais, je te fous la lame où je pense, et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse-le tranquille. Eh mon gars, je tire sur ses arrières. Nous sommes une équipe. Puisque ça a une famille. Mec, t'as pris la tyrolienne, c'est limite si j'ai. Regarde, j'ai plus vite que toi comme basque. Voilà, par contre non, parce que du coup je suis tombé et tout, là c'est le bordel. Bon. Alors, évidemment, c'est une zone rouge en plus. Tout ça n'est rien de bon en fait. Assommé des médias. Ok. Ok. Que ça va me plaire. Voilà. Pourquoi il me l'a rejeté ce con? Ouais, noble seigneur, bim, tiens, regarde ce que seigneur, tiens, regarde le seigneur ce qu'il te met. Non, mais oh. Allez, il est mal, hein, il prend une grosse droite, tu KO. Ça veut dire que vous n'êtes pas habitué à vous battre, vous encaissez pas les coups, hein.
Ils dorment quoi. Là, je veux la voir. Merde. Oh putain, mais il fait avoir. Oh merde, désolé les gens. Putain, j'ai échoué, fait chier. Putain de mission. Justice, justice, c'est en ton nom qu'il vient à nous. Putain, non, pas deux fois. Putain, pourquoi elle me fait repérer? C'est pas possible, c'est là normalement qu'il faut l'amener. Oh, le con. Putain, je vais pas fêcher, je vais pas me faire chier à galérer pour une mission à la con, si simple, merde. Ah. Par où passez-vous? Vous passez par là-bas, j'en suis sûr, vous passez par derrière les gardes. Vous savez quoi, je vais vous suivre. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Putain, oui. Alors là, il faut m'expliquer. Mais c'est du n'importe quoi, les gens, là. Du n'importe quoi. Là, 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 décidé de me faire chier, cette mission, là. Jamais ils auraient dû me repérer, là. Ils me repèrent pas mes collègues, par contre, ils me repèrent à moi. Mais c'est débile, mais du débile, du débile, du débile, du niveau de débilité maximum, là. Waouh. Putain. Ah, ça m'énerve. Faire de la merde comme ça, perdre pour une connerie de mission alors qu'il est complètement débile. Tiens, je vais frapper la gueule les gens, comment ça me faire chier là. Normalement ils ont même pas eu, ils doivent même pas me repérer, mais si, il faut qu'ils me repèrent quoi. Putain, ah que ça m'énerve. Voilà. Oh merde. Le capitaine a dit que tu corresponds à la description. Tu as rampé dans ce trou rétro là. Tu ne pourras pas fuir. Bon sang, mais où est-il passé? Putain, mais c'est pas vrai con. Je crois que je suis en train de me rendre compte, oui, en fait je suis dans une zone rouge aussi. C'est pour ça, putain. C'est complètement débile d'avoir mis ici dans une zone comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. À part leur en vouloir, hein. Non, parce que je t'ai dit, mais là, est là. Si tu endures ces souffrances. Tiens.
Ça me fait peur, lui. Ouais, nous avons réussi. Enfin. J'ai l'air ridicule. Je me sens ridicule. Ma lame est trop visible avec ce déguisement. Es-tu armé ? Pas d'inquiétude. Désigne les cibles et nous les éliminerons. Est-ce que tu sais comment jouer ? J'ai appris quelques accords quand j'étais jeune. As-tu vraiment été jeune un jour ? Ah oui, c'est vrai, je peux jouer. Cette cour est interdite au public. Faites immédiatement demi-tour. Mais joue. Perdonate, buon signore. On nous a engagés pour animer la fête. N'importe quel Gersek peut se promener avec un instrument. Ok. On va chanter alors. Mon passage à Forlì, on dirait un chat quand le gorge. Il est doux de parler à faire quand l'affaire se fait. Que fait-il ? Berbatze ! Habillé comme un bouffon, je suis un comédien. Non, de Dunster. À quoi vous jouez de la main ? Bon, allez. Entrez, allez infliger ce bruit, vous arrêtez. De tous ces amants, ne sait que merci. Faire. Ne cherche pas bien loin, Caramia. Caramia. Deux ou trois frères. Jugez l'ardeur d'une dame. Restez dans sa compagnie. Vous verrez si elle est trop sage ou digne de finir dans mon lit. Et où, tant pis. C'est lui, ok. Cesare, oh Cesare, tu te crois à l'abri du trépas. Mais prends garde où tu mets les pieds, tu risques de tomber bien bas. Cesare racontait bien volontiers que personne ne pouvait le terrasser. Alors dans le vide, je l'ai poussé pour voir si ça avait volé. Les joies des bambins, la bonté des demoiselles. Je chante même la gloire des hommes dont une bien joué. Sur leur je perds ici mon temps et pousse la chansonnette devant des imbéciles heureux qui ne comprennent rien. Cette cour est déserte. Et je ne vois pas le prince Suleiman. Suis-moi. Misère. On raconte ici et là que les chansons des ménestrels mettent en fureur les demoiselles. Ah voilà qui est plus joyeux. Suleiman, petit-fils du sultan, gouverneur de Kefé. Il n'a que 17 ans. Je l'ai rencontré sur le bateau. Il m'a dit qu'il était étudiant. Et lui, qui est-ce ? Son oncle, le prince Ahmed. Son oncle, ouais. Préféré du sultan. Il est obsédé par l'idée de lui succéder sur le trône. Chérefe, Salaniza. Bien, nous avons d'autres Byzantins à trouver. Merci d'être présent. Et merci. Oyez le piètre poète. Si ma chanson vous interpelle, frappez-moi sur la tête. J'espère que la fête est à votre goût. C'est qui ? C'est lui, non ? Le doge de merci d'être présent. C'était maléfique.
personnage. Quand il vit ses plans contrariés, fulmina rouge de rage. Nulle l'âme ne comprend ma douleur, la vie de misère du poète. Seuls achèveront les trois heures, c'est malicieux. Nous devons nous voir bientôt. Chouette. Vieri, oh Vieri, était aussi fou que son vieux père. En récompense, vous jouez magnifique. Une fin en tout point similaire. Ailleurs, Liak Shamla, j'espère que la fête est à votre goût. Oui. Non, oui. La dame de fer de la Romagne, poigne d'acier grand, pourrait de mort réveiller les appétits de la Il était une fois un certain Duccio, sacré coureur de jupons. Regarde, c'est formidable. Chaque fois que nous nous croisions, hop, on l'a tué encore. Regarde, c'est formidable. Oh, Constantinople, oh, Byzance, être la colombe roue. La discorde éloigne la paix, et il ne faut pas maîtriser. Putain. Sauver le monde, j'ai relevé tous les défis. J'ai dû apprendre à jouer du luth. Il est chaud, là. Et à faire rimer ma poésie. Mais voilà, fini, on les a tous éliminés. Bon, sauf qu'il a été repéré, quoi. Prince Suleiman, prenez garde. Suivez-les. Fais gaffe, Prince Suleiman. Oh, il a cassé le truc. Viens ici, enfoiré. Mais t'es sérieux? Vous avez bien vu? Là, si ça c'est pas un petit bug, je vais quand même sauter à la tronche avant qu'il saute sur l'autre. Non, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Oh là 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 là. Ah, tiens. Quel soulagement de vous revoir. Mio bel menestrello. Cela se prononce-t-il ainsi? Presque. Non, c'est idiot. C'est pas grave. Vous êtes aussi gouverneur. M'avez-vous caché autre chose? Je ne parle pas aux étrangers. Je m'appelle Suleiman. Ezio Auditore. Chez Adam, êtes-vous blessé? Qui est ton capitaine, soldat? Tariq Barletti. Il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités. Puis convoque Tariq au divan. Bashustum, chez Adam. Tariq Barletti est un capitaine du corps des janissaires, les soldats d'élite du sultan. Il protège le sultan, mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Ezio, auriez-vous du temps à m'accorder? Je voudrais solliciter votre avis. Bien sûr, dès que j'aurai changé de tenue. Bah ouais, évidemment, parce que là, ça fait un Bien. Peu... un peu bête, me voir quoi. Quand vous serez prêt. Allez, on a un peu d'exploration juste là, on va peut-être le faire. Allez, on va juste en monter. Bon, j'ai un peu galéré pour la mission en avant, mais bon, j'en suis un petit peu désolé. Et l'autre en plus avec le bug qu'il y a eu en plus. Où je lui saute dessus, mais non, ça marche pas, il le tue avant. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, j'y suis pas pour rien, hein.
Oh, en plus c'est une tour à casse-couille escaladée quoi. Voilà, nous sommes arrivés. Mais je ne me plains pas. Allez. Ah bah avant de faire quoi que ce soit, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a un tailleur dans le coin, une connerie comme ça? Peut-être pas un tailleur, même un armurier. Y a pas. Sérieux, là, y'a rien. Une zone rouge complètement, ouais, super. C'est très impressionnant, mais... Comme si je voulais aller dans une zone rouge. Alors là, je suis sans voix. On va vite la traverser. Ah, ferme-la. Salut toi. J'ai organisé un entretien avec mon oncle Ahmet et le capitaine des janissaires, Tariq Barletti. Les janissaires restent fidèles à mon grand-père, mais ils s'opposent ouvertement à son successeur. Votre oncle? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Selim. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêt à m'aider à le découvrir? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y. Attendez et observez. Allez, on accepte. Escalader la tour du... Ouais, ok. Yes, allez.
neveu a raison, Tariq. Ton incompétence. C'est parti, les amis. Mais que dire de tes janissaires qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien? De lutte italien. Un intolérable fiasco, Effendim. Je vais personnellement mener l'enquête. C'est moi qui conduirai l'enquête, Tariq. Pour des raisons plus qu'évidentes. Evel, Shehzad, tu as la sagesse de ton père. Et son impatience. Je me réjouis de te voir sain et sauf, mon oncle. Moi aussi, Suleiman. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Ouais. Tariq Bey, viens ici. Quel était le but précis de cette attaque? Me faire passer pour un faible? Incapable de protéger cette ville? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. Mais non. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder, pas mon frère. Ahmed. Je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuses. Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de mépris de la part des janissaires? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi? Puis-je parler librement? Je te le conseille. Je te conseille. Ahmed. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des Ghazis et tu prêches la fraternité en compagnie d'un fidèle. Non, voilà, pim. Un adroit philosophe, Ahmed. Prends son à la gueule, prends son à la gueule, mec. Consultant. Ouh, il va pas apprécier, je crois. Je pense que tu en as assez dit. Ah, mais il a été franc et honnête, hein. Il t'a demandé, tu lui as dit de parler librement, hein. Et ben, c'est ce qu'il a fait. T'as pris plein la gueule, mon gars. T'es mauvais, hein. Tu es mauvais. C'est tout. Quelle famille, hein. Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion. Ça marche. Ok. Ah ben on va arriver à escalader. Il y a une aigle là-haut. Hein, voilà, fait. Si vous préférez un point d'observation. Voilà, je vais y arriver. À le dire. Non, je veux pas de combat. Laissez-moi tranquille. Je suis gentil, moi. Avec vous. Je faisais que passer. Je me suis perdu, c'est rien. Ça arrive. J'ai pas de GPS. Merde. Ah ben ouais. Ça, c'est pas les malins, en fait, là. On va mettre un point, sinon je vais me perdre. Alors, je vais mettre un point ouf. J'aimerais bien aller à un endroit... Et bien voilà. Ah bien une banque là aussi, je vais la déverrouiller aussi. Je vais retirer des sous-sous. Ouais, dans les fleurs. Il va sentir bon la fleur maintenant. Il va tirer les gonzesses. Il dit qu'il a pas trop besoin de ça. Un gros pragueur comme il est, ce idiot. Donc après les amis, pour cette vidéo aussi, je vais vous dire, si vous voulez que je fasse d'autres Assassin's Creed, dites-me-le. Il y a le Unity, je les ai tous de toute façon, mais ce que je peux vous faire, vous streamer, c'est tout ce qu'il y a sur PS4. Donc j'ai déjà fait le 2 et Brotherhood, donc je les referai pas, ça sert à rien. Il y a celui-là que je vais finir, après il y a Unity que je peux vous faire, il y a également le Syndicate, je prendrai un grand plaisir à vous faire aussi. Et si vous voulez du Black Flag, je peux vous le faire, même si Black Flag va être très très long. Mais je peux vous le faire si vraiment ça vous intéresse. Voilà. Les autres sur PS3, malheureusement, je peux pas vous les faire pour le moment. Je suis vraiment désolé, parce que j'aurais bien fait du 3 sinon. Sachant que c'est mon grand favori, donc... mais bon. Tant pis. Pour l'instant, je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir streamer du PS3 et tout ça.
Bientôt, j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Bientôt, bientôt. C'est plutôt bizarre celui-là. J'ai dû rêver. J'ai besoin de repos. Non, t'as pas rêvé en fait, je t'explique. Pas beaucoup de thunes, hein. Pas beaucoup de thunes. Je suis vraiment limite, hein. On va bien m'acheter l'arbalète. Un tailleur. Hein. Ça a l'air dangereux. Le sang, je rénove. Ça me fera toujours de l'argent en plus qui va rentrer dans la banque. Est-ce que t'as reçu une nouveau d'ailleurs? Ah mais c'est super cher en fait. Alors, le gris, le gris original, ouais. Argent algérien, putain il est beau hein, l'argent algérien. Bleu égyptien. Frein de Syrie, ambre, ouais. Cuivre. Vert, membre. Marbre, pardon, or de Tokapi. Violet royal, rouge byzantin. Colbert méditerranéen. C'est celui que j'ai en ce moment. Le blanc massif est beau aussi. Alors en ce moment j'ai l'indigo. Alors j'hésite entre le... Celui-là qui a l'air joli. J'hésite entre le... Celui-là que je voulais mettre, le bleu égyptien à un moment donné. Ou alors l'argent algérien est trop beau. Allez, on va se mettre l'argent algérien, ça va être classe je pense. Ouais c'est joli ça va. Ça fait vieux os et vu qu'il est vieux ça tombe bien. Vous pouvez me dire à quoi vous jouez? Ça je l'avais dit hein, que je changerais de couleur souvent pour pouvoir jouer sous plusieurs couleurs. Banque. J'espère que j'ai assez pour la débloquer. Yes. Et là, je vais retirer de l'argent parce que j'ai un peu une pénurie là. Merci. Évidemment, je me sens plus riche. Et toi? Je sais plus combien coûte la palette, mais il faut que j'économise pour pouvoir me l'acheter. Tout réparer, ouais. $18,768, ouais, d'accord. Ok. Ouais, pour l'instant, on va s'acheter une armure, je préfère. Jambière. Voilà. Donc sur ce les amis, je vais arrêter cette vidéo là parce que ça va faire à peu près 40 minutes je pense. Donc je vais arrêter cette vidéo là. J'espère que cette petite aventure vous aura plu et je stream en suivant. À la suite vous aurez la suite, ne vous inquiétez pas. On continue l'aventure tous ensemble. Voilà les amis, allez ciao ciao ciao, à très vite pour un prochain stream et un prochain live. Allez ciao les amis, c'était Ghost of the 40.